On va éviter ces trois zones-là parce que clairement il y a tout le temps du monde. Et je sais pas si les autres débuts de saison ressemblaient à ça, mais là j'ai l'impression que le début de saison ça ressemble à un amas de tryharders mais incroyable. Et puis bon, c'est quand même trois points d'intérêt qui attirent quand même la plupart des joueurs. Donc forcément, même si vous êtes bon, vous pouvez vous faire backstab à n'importe quel moment par un mec qui a pas forcément de skill. Donc pour faire une bonne partie, on va pas aller dans ces trois points d'intérêt, on va aller dans un quand même un point à la fois isolé mais aussi doré, que j'aime bien cette zone-là, Knotted Nets, j'aime bien. Puis il y a déjà du monde de toute façon, mais on connaît, il y aura moins de monde que dans les points d'intérêt nouveaux de la saison, donc on va pouvoir essayer de faire un truc bien. On espère en tout cas. Oh mon shoot. Merde, j'aurais peut-être pas dû prendre celui-là, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté les dégâts du fusil à pompe automatique d'expert. Oh, pas tant que ça en fait. Pas tant que ça en fait. Oh. Alors je sais pas si c'est une bonne idée parce que. Oh! Ça par contre c'est une bonne idée ça. Je m'en fous, je veux juste ça. Oula, ok. Il y a du monde devant.
Il y a au moins un mec sur la glace et un mec qui vient de prendre un envol là. Je sais pas où est le dernier. J'espère qu'il est pas à Slappy Shores. On va la jouer safe. Alors j'ai pas intérêt à lui tirer dessus lui, hein, je pense. Hein. Après ceci dit. Ah, c'était une bonne idée en fait. Il m'a vu, je pense. Hein. Je suis obligé de monter, non? Quoique. Je me casse. Oh mais attends, mais l'autre gars il est juste à côté là, non? Ah oui! Let's go! Magnifico! Magnifico! Let's go!